Bien. Alors, vous m'excuserez, bonjour à tous déjà, et vous m'excuserez si j'ai la voix un petit peu voilée pour cet épisode 12, je crois, de l'Odyssée Dragon Quest 11. Je me suis, j'ai chopé un mauvais rhume, voilà. Ah, mais c'est pas l'espèce de structure bizarre là qu'il y avait dans le désert avec les dracobots pas loin de Gallopolis là? Ouais, si, je crois que c'est ça. Alors là, vous vous demandez peut-être ce que c'est que ce bordel et ce que je fais à bord de ce bateau. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Bon, vous avez vu dans le dernier épisode qu'on avait quitté, le port de Gondolia à bord du navire de Sylvando. Sylvando qui doit d'ailleurs être pété de thunes, hein, vu la taille de son bateau. Véronica avait sous-entendu qu'il était peut-être millionnaire ou on ne sait quoi. Et apparemment, il est vraiment pété de thunes. Hein. Et peut-être qu'il descend d'une famille royale ou quelque chose comme ça, ou enfin, je sais pas. Donc, carte d'El Rea. Non, c'est pas affiché là-dessus. C'est un fail. Voilà, c'est affiché ici, tout simplement. Donc, vous voyez que maintenant, là, j'ai accès à la carte du royaume entier, là où je me trouve. Je suis sur l'eau. Et toutes les petites ancres que vous voyez, en fait, c'est des ports d'attache où vous pouvez descendre. Pour aller explorer des zones que vous ne connaissez pas, ou des zones qui existent, que vous avez déjà visitées. Donc, dans un sens, vous allez me dire, ah bah, on ne peut pas accoster où on veut. Oui, effectivement, ça aurait été trop beau, on ne peut pas accoster où on veut. Mais, petite nouveauté rendue à ce stade du jeu, je peux voyager où je veux dans l'ensemble du royaume, et aller accoster au port qui me plaît, et commencer à explorer le coin, et voilà. Alors, je trouve ça assez sympathique. Le seul problème, c'est que j'ai déjà, après la dernière partie que je vous ai faite, j'ai déjà essayé d'aller voir un ou deux. Oula. Alors attendez. Il y a un combat. Voilà. Vous pouvez vous faire attaquer même sur le bateau. Il y a des bestioles qui sautent sur le pont. On va s'occuper de ça. Voilà, c'est souvent les ennemis qui attaquent en premier hein, maintenant. Le truc, c'est que... le truc, c'est que j'ai cru remarquer en visitant des zones... Tant pis, ça a fait des dégâts, mais ça ne l'a pas endormi, c'est dommage. J'ai cru remarquer qu'il fallait peut-être mieux aller directement à l'objectif principal, parce que... En fait... J'ai l'impression que les zones sont nivelées. Ça veut dire qu'à certains endroits, les ennemis sont plus balèzes
qu'à d'autres. Donc je pense qu'il vaut mieux continuer à faire le jeu progressivement dans l'ordre, comment dire, de la quête principale, où nous envoie la quête principale en gros, parce que sinon on risque en fait d'affronter des ennemis qui seront plus forts beaucoup plus forts que nous. Excusez-moi, je suis un peu lent, mais j'ai un peu de mal à parler en même temps que je réfléchis. Surtout que j'ai un peu la tête prise. Sort. Qu'est-ce que je vais mettre? Illusion. Super accéléro, tornade. Ouais, mais ça fait que sur un groupe d'ennemis particulier. Accéléro. J'ai augmenté l'agilité d'Ismaël, tiens. Pour qu'ils combattent plus souvent. Oula. On va se méfier quand même. Hein. Ok, sort. Un petit coup de bang, je pense que ce serait pas mal. Encore une fois. Putain, il y en a qu'un qui est crevé, hein. Ils sont résistants, ces connards. Oh, je pense qu'ils vont bientôt être morts. Ils ont pas l'air d'avoir de gros pouvoirs magiques. Voilà, autant les bourriner, c'est parfait. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bah, on va se rendre à la fameuse... Alors, je sais pas si c'est une ville ou une région. Zwardust, il me semble que ça s'appelle. Qui est située... vous voyez, c'est l'encre avec le point d'exclamation rose. C'est là qu'on se rend. Parce que apparemment, c'est là-bas que s'est rendu le marchand qui est en possession du rameau irisé de l'Yggdrasil dont on a besoin. Donc voilà, on se rend là-bas. Alors là-bas, je vois qu'il y a un espèce de halo. Oh putain, on voit l'Yggdrasil d'ici. Je me demande si c'est une bonne idée de tenter le coup ou... Bon allez, on va voir, c'est sur notre chemin. Oula, le temps se couvre, là, ça se gâte. Voilà, ça m'aurait étonné, tiens. Et ça se trouve, c'est un boss. Alors, en plus, on a un gros. Bon, on va se faire le gros. J'ai plein de trucs à vous raconter pour cet épisode, mais je pense que... J'adore quand les personnages se mettent à danser comme ça. C'est con. C'est à qui là? C'est à Ismaël. Alors, pas du tout, c'est à Eric, pardon. Ismaël, vous voyez qu'il a deux armes dans les mains, j'ai réussi à lui débloquer l'aptitude qui demandait 16 points d'expérience pour qu'il puisse attaquer avec deux poignards en même temps. Mais il faudrait que je lui trouve je lui ai acheté un nouveau poignard qui peut empoisonner les ennemis, mais le deuxième est un petit peu faiblard, faudrait que je lui trouve une autre lame. On va peut-être placer un coup de cascaillasse sous le Koros, là, le fameux boss qu'on avait affronté, le double boss qu'on avait affronté dans la Grotta de la Fonte. Ah, l'autre, elle est toujours en train de danser. Sort. Tu sais quoi ça? Endort un seul ennemi. Ouais, mais ça peut ne pas marcher, ça, donc... J'ai un petit peu peur que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de sortir... Ah, je suis pas sûr. Je crois qu'en plus, le personnage qui a le sort pour sortir les autres personnages d'un effet d'illusion comme dans lequel se trouve Véronica, là, c'est Véronica elle-même, Loul, ou Sylvando, et j'ai décidé de reprendre Eric pour l'instant. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais augmenter l'agilité d'Ismaël pour qu'il attaque plus souvent, encore une fois. Alors lui, il va faire mal. Ouais. Heureusement, il attaque une fois. Donc, Ismaël. On va pas encore se soigner. Il faut attaquer, je pense.
Ah oh, putain, les petites merdes, elles sont résistantes là. Elles devraient mourir ces saloperies là. Aptitude, somnifère, je vais tenter un somnifère sur l'un des calamars moussettes là. Voilà, celle-là a tué, c'est aussi bien. Ok, super, Véronica arrête de danser. Alors attendez, aptitude, attaque qui peut infliger de gros dégâts aux démons et qui les paralyse parfois par la même occasion. Bah, ça c'est pas mal, je viens de l'avoir. Mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être plus efficace. Altération. Ouais. Décéléro. On va réduire l'agilité du Koros. J'aurais dû le faire ça dans la... Comment dire, je savais pas à quoi ça servait l'agilité. Je te remercie Chokchan de me l'avoir expliqué. Ça, comment dire, ça réduit le nombre de fois où les ennemis peuvent attaquer. Donc c'est super important contre les ennemis qui sont balèzes, ce sort là. Donc on va faire ça, non pas contre la petite merde, mais contre le gros. Vous pouvez attaquer plus souvent, mais ils attaquent moins souvent, du coup. Sort. Tornade. Sur le gros, plutôt. Ou alors on finit la petite merde. Ouais, après on se concentrera sur le gros. Oh putain, elle est pas morte! La vache, s'il attaque... Non. Là, va falloir que je soigne Ismaël bientôt. Eric... Allez, on essaye de finir la merdouille. Les ennemis... je croyais que c'était juste les boss, mais les ennemis sont beaucoup plus résistants. J'ai l'impression... même en allant à l'objectif principal, les combats sont plus durs. Je sais pas si ça vient de ma manière de jouer, de mes stats qui sont pas bonnes ou quoi, mais pour moi, là, ça devient plus dur. Et c'est, enfin, c'est pas, comment dire, c'est pas injouable, mais c'est beaucoup plus technique. Véronica, On va lui baisser sa résistance. Ah, il faut que je soigne Ismaël. Don't worry, I'm here to help. Oh la vache, il a tué Véronica, le bâtard. Et Véronica, au niveau de ses PV, elle en a pas beaucoup. Elle est très faible par rapport aux autres et je me l'explique pas, quoi. Je sais pas comment ça se fait qu'elle elle a que 50 ou 60 PV alors que les autres sont presque tous à 100 ou plus. C'est bizarre. Il doit y avoir un truc qui cloche avec elle. Attaque, 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 attaque. Voilà, maintenant il donne deux coups à chaque fois. Ismaël... Voilà. Par contre, vous avez vu que j'ai changé encore de Claymore. Et celle-là, elle est encore... j'ai boosté mes attaques sur Ismaël. Je suis beaucoup plus puissant. Mais vous voyez, on récolte aussi nettement plus de pièces d'or et d'expérience qu'auparavant. Donc je crois que c'est la difficulté qui a augmenté. Sérieusement. Une perle d'ivoire. Ok. Bon, bah, je sais pas exactement ce que c'est que ce truc. Hein. On a eu un combat, c'est tout ce que je peux dire. J'hésite à y retourner parce que si ça nous redonne un autre combat d'affilée, ça me fait un peu chier. Oui, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? D'ailleurs, on va peut-être s'en prendre un autre avant de toucher le quai hein, qui est juste là. Ah, ça s'éclaircit. Ce sera un peu abusé juste avant le ponton, mais bon. Ouais, on débarque. Alors, région de Zwardust. Il est bizarre le nom de cette région. Donc vous voyez, il y a Gonzalo, alias la crampe, qui est celui qui tient la barre du navire. Et il suffit de revenir le voir, de lui parler en fait, et il nous ramène avec le petit bateau jusqu'au gros. Et après on peut repartir où on veut sur la carte. Donc,
Je parle un peu du nez, excusez-moi, je vais me moucher un coup. Alors, parcourez le monde à la recherche d'indices permettant de localiser le rameau irisé. D'accord. Je pense qu'on va se rendre dans le village le plus proche. Ah, la région de Fort Drazil. D'accord, donc le château de Fort Drazil, là où se trouvait, là où habitait notre mère qui a été mis à feu, réduit en cendres dans la scène d'intro du jeu, c'était dans le prologue, c'était par là, c'était dans cette région-là d'Elrea. Attendez, je regardais la carte. La Véronica est toujours morte, hein, va falloir qu'on la ressuscite. Donc vous voyez maintenant, on se trouve tout au nord-est du royaume. Et Fort Drazil, apparemment, ça se trouvait dans la petite partie qui a l'air désertique, là-haut. J'ai le nez qui commence à se boucher, mais c'est pas grave, on va faire avec. Oui, donc je disais, l'épisode... comment dire... Ça a ralenti, là, au niveau des uploads en ce moment. Parce que les épisodes 10 et 11, le 11 au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore uploadé, ça aurait été un très gros morceau pour moi. Je ne savais pas ce que je vais faire. Ça a été très très riche en rebondissements. Il y a eu plein de choses qui se sont enchaînées à un point auquel j'étais... Je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Moi, là, toute la session, à partir du moment où j'ai quitté Gallopolis... Bonjour, jusqu'au moment où j'ai quitté Gondolia après avoir vaincu Jasper, je l'ai fait d'une seule traite. Donc et à la base, je pensais que j'allais faire qu'une vidéo, mais j'ai décidé de faire deux parties parce que je trouvais que ça allait faire beaucoup trop. Ça s'arrêtait pas. Il y avait plein de rebondissements. Je me disais mais putain, mais quand est-ce que je vais pouvoir faire une pause et sauvegarder? Il y a eu un double boss, je croyais pas que ça allait durer aussi longtemps, quoi, franchement. Et donc, du coup, j'ai un petit peu hésité à ce que j'allais faire au montage. Alors, attends, hein. je peux pas lire en même temps. Swordrust était surnommé le Royaume des Fleurs, un endroit magnifique. Malheureusement, les monstres sont arrivés et ont tout détruit. Il n'en reste plus rien, mais une ville aussi majestueuse qu'Eliodor se dressait aussi ici autrefois. Okay. Bon, apparemment... Il s'est passé des choses terribles ici. C'est peut-être ce qui s'est passé à Fort Drazil. Ce dont il parle. Bref, j'ai même eu peur que le passage de la pieuvre là à la fin, la pieuvre géante qu'on a vue, j'ai cru que ça allait être un troisième boss d'affilée. Déjà quand j'ai vu Jasper en boss, je me suis dit, mais vous déconnez quoi. Après la galère qui s'est passée dans la caverne, dans la Grotta della Fonte, vous allez me mettre un deuxième boss, et après je me suis dit, il va y avoir la pieuvre, mais non, mais arrêtez, j'ai plus de soins, j'ai plus de potions, j'ai plus de magie, j'ai plus rien. Vous pouvez pas me faire ça, quoi, il faut que je me heal. Alors putain, il n'y a pas un seul campement ici, quoi, super. Ah si je vois la cloche, autant pour moi. Ah non, mais la cloche, c'est pas un campement. Les campements, c'est un petit feu. Je vais parler avec une voix de canard, hein, je suis désolé. On va aller à l'auberge avant d'aller faire un tour dans les champs, là, parce que si je perds mon temps à faire le tour, à faire un tour dans les blés, là, je vais y passer 2 heures. Ah, tiens, une cible. J'ai réussi à obtenir la récompense, à obtenir les 5 cibles de la région de Gondolia et obtenir une récompense. Mais je dois vous avouer que je ne me rappelle même plus ce que c'est. Je crois que c'est joli ici. Hein. C'est vraiment cool que chaque région soit vraiment différente au niveau du design. Ça me plaît beaucoup. Je vais aller à l'auberge. Bref, mais on a eu de la chance. Je pense que la pieuvre, on la recroisera plus tard. Vu ce que j'ai vu dans le... Dans le générique, comment dire, post-menu, c'est évident que la pieuvre, on va l'affronter à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, je préfère... Non, je sais même pas ce que j'allais dire, excusez-moi. J'ai un peu la tête dans le cul. Hein. Je l'avais déjà d'ailleurs à la fin. J'étais très fatigué après les deux boss. Et c'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, je parlais plus du tout.
Ou alors que je faisais des petits commentaires, mais finalement j'en ai coupé pas mal au montage, les commentaires qui étaient un peu à chier, parce que j'ai décidé de... J'en pouvais plus et je disais que de la merde. J'étais fatigué après ces combats qui m'ont exténué. Le combat contre Jasper, il a duré une demi-heure, les mecs. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Une demi-heure. C'est énorme. Ah, c'est un marchand, d'accord. Ok. Bon, alors, je vais regarder ce qu'il a en stock. Donc, il a une rapière. Ouais, mais j'en ai une meilleure. L'épée très large, c'est moins bon que celle que j'ai. Aiguille empoisonnée, c'est moins bon. Loul. Ok, d'accord. Ah ouais, mais j'aurais pas dû faire halt où j'ai fait halt. Comment dire, parce qu'en fait, j'ai trouvé des choses qui étaient meilleures et que j'aurais pas dû trouver pour le moment, en fait. Donc, en fait, j'ai un meilleur équipement que ce que je devrais avoir parce que je suis allé à un endroit qui auquel on m'enverra sans doute plus tard dans le scénario. Parce que après, il n'y avait pas de sauvegarde hein, après le combat contre Jasper et une fois qu'on se retrouve sur le bateau. Donc, j'ai décidé d'aller accoster à la destination la plus proche où je pouvais sauvegarder. Et du coup, j'en ai profité pour farmer un petit peu. Parce que je me suis dit que... Ouais, je vais revenir après. Je me suis dit que vu comment les combats avaient été difficiles contre les deux boss, il y a quelque chose qui devait clocher, que je devais pas être assez fort. Mais il n'y a pas de statue ici. Est-ce qu'il y a une église? Parce que se reposer, c'est bien beau. Ou alors, à moins qu'attendez, faut que je parle à la sœur, là, c'est ici, c'est elle qui va me faire sauvegarder. La ville la plus proche est à des kilomètres, je te conseille de prendre une chambre à l'auberge et de dire quelques prières avant de reprendre ton voyage. Ah, d'accord, c'est elle qui va me faire sauvegarder, parfait. C'est ce que je pensais. Donc on va sauvegarder et alors la plus vieille c'est celle-là et on va ressusciter Véronica. Alors comme ça vous allez voir comment ressusciter un personnage, c'est pas compliqué, il n'y a rien de spécial mais par contre ça vous coûte de l'argent. Oui je continue bien sûr. Résurrection. Hop. Oh, je crois que le tarif a augmenté. Hein. 150 pièces d'or, c'était 80 à Gallopolis, il me semble. C'est quoi cette arnaque, là? Plus ça va aller, plus ça va être cher. Ou alors ça dépend des personnages? Ce sera du sexisme? Voilà. Ouais, donc... oui, ces combats de boss... C'était la première fois que déjà que je perdais Ismaël pendant un combat. Alors, perdre d'autres personnages, ça m'est arrivé. Par exemple, contre le Dracobot. Dracabot, putain, à chaque fois je dis Dracobot, je sais pas pourquoi. Tristan, le roi guerrier, c'était un grand homme qui a combattu aux côtés de l'éclairé au temps des héros. Tristan, le roi guerrier. Est-ce que ça aurait pas été notre père, ça? Le royaume de Zwardust? Ah bah non. Notre père, il était roi de Fordrazil, je crois. À moins que ce soit la ville qui s'appelle Fordrazil et que c'était le royaume de Zwardust. Je sais pas. Bref. On va aller prendre une chambre, hein. On va se reposer un poil. Alors vous dites, ah bah... Ismaël est mort, donc t'as échoué, ça y est, l'aventure est finie. Il y a des fois, je me pose la question comme ça, qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi, hein, j'ai vraiment la tête prise. Si je devrais pas arrêter une odyssée, en fait, me lancer un petit défi comme ça quand je meurs. Mais alors, si je faisais ça, pendant l'odyssée Mass Effect Andromeda, je me serais arrêté au deuxième épisode. Pendant l'Odyssée Fallout 4, je me serais arrêté au 6ème, donc vous voyez, bon, là j'aurais duré un petit peu plus longtemps, parce que jusqu'ici les combats, je les passais tous les doigts dans le nez, mais tout à coup, là, la difficulté est devenue quasiment démentielle. Mais je considère que je n'ai pas échoué et que je ne suis pas mort, puisqu'on peut ressusciter les personnages, même si c'est un petit peu what the fuck.
je considère que je ne suis pas vraiment mort tant que j'ai réussi à vaincre les ennemis. Je n'ai jamais perdu aucun combat. J'ai perdu des personnages, mais je n'ai jamais perdu aucun combat. J'ai réussi à vaincre tous les boss, tous les ennemis. Pour l'instant, j'estime que je n'ai jamais failli. Il n'y a pas grand-chose à ramasser ici. Hein. Cette petite auberge. Un remède puissant, ça fait plaisir. J'essaie d'interroger un petit peu tout le monde là pour voir s'ils n'ont pas vu passer le marchand qu'on cherche là. Après, alors attendez. Attendez, j'ai pas tout lu. J'étudie l'histoire de Sword Rust et j'aimerais explorer les ruines situées au nord-ouest, mais je ne peux pas y peiner. Une porte rouge marquée d'un symbole étrange m'en interdit l'accès. Ah oui, il y en a plein des portes rouges comme ça. D'après ce grimoire, elle ne s'ouvrirait qu'avec une soi-disant clé magique. Ah, on va peut-être apprendre comment ouvrir les portes rouges. Où je peux trouver cette clé? Ça m'intéresse, ça. Est-ce que c'est écrit dans ce livre? Alors, forger avec l'acier. Très bien, on va pouvoir forger des armes d'acier. Ça, c'est important. Et vous rendez compte, vous avez vachement intérêt, en fait, à trouver tous les bouquins. Parce que si vous en zappez un, vous pouvez zapper un bouquin qui vous apprend à forger quelque chose. Et je suis pas sûr que l'on trouve plusieurs fois les mêmes bouquins. Le tournoi d'arts martiaux à Octogonia, ça m'intéresse. Faudrait que j'aille voir ça. Loul. Elle voudrait battre son mari aux arts martiaux. Remarque, elle a l'air d'avoir des... Ah putain, il y a une cible là-bas. Là, il y a une quête. Je suis désolé, hein. Ça va peut-être pas être une partie très intéressante, mais j'ai envie d'une partie un petit peu plus cool que les deux précédentes. Là, on a un coffre. On va explorer un petit peu. Quoique, il y a eu déjà... Il y a eu pas mal d'explorations dans l'épisode 10. Moins dans l'épisode 11. En fait, à la base, si j'avais fait une odyssée... Ah, je peux sauter là, tiens. Si j'avais fait une odyssée où j'avais tout préparé d'avance, je vous aurais sûrement zappé beaucoup d'explorations de l'épisode 10. Et de Gallopolis, je serais quasiment allé directement à Gondolia. Je vous aurais pas fait la lagune et tout ça. Mais là, comme je suis en totale découverte, je le fais, quoi. Voilà, je peux pas zapper ça et faire des ellipses énormes comme ça... Sachant que je ne sais pas, on pourrait tomber en cours de route sur des choses intéressantes. Ces champs appartenaient autrefois à un puissant royaume. Ouais, à son apogée, il rivalisait de grandeur avec Héliodore. Mais lors d'une nuit fatidique, des hordes de monstres rayèrent ce royaume de cette carte. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ce qu'on a vu dans la scène du prologue. Il ne reste que des ruines, sa grandeur passée n'est qu'un lointain souvenir. Tout cependant n'a pas disparu. Les âmes de ceux qui ont péri lors de cette lâche attaque nocturne restent enchaînées à cette terre, clouées par une douleur immense. La fureur contre les créatures qui ont détruit leur foyer et leur impuissance à protéger ce dernier les ont, à leur tour, transformés en monstres, en gladiateurs. What? La nuit venue, ils sortent de terre et errent dans les ruines de Zwardust. Hein, on va peut-être revoir notre mère et notre père et notre sœur aussi, parce qu'on avait une sœur, il me semble. Pour se racheter et apaiser leur colère, ils attaquent tous ceux qui croisent leur chemin. Ou c'est peut-être des villageois. Peut-être que toute la ville a été rayée de la carte. Il n'y a peut-être pas que le château qui a été rayé de la carte. Parce que moi, au début, je pensais qu'il y avait le château qui avait cramé. M'aiderais-tu à mettre un terme à leur tourment? Oui, manteau de sérénité. Ça peut être intéressant, une pièce d'équipement. Après des recherches poussées sur l'exorcisme, je crois que mes défunts amis ne trouveront la paix. Okay. Explore les ruines de Zwardust de nuit. D'accord, de nuit. Et affronte les gladiateurs. Récite l'horizon de la guérison avant de les vaincre. L'horizon de la guérison? Mais c'est quoi ça? J'ai zappé un truc ou quoi? Bon, alors toi, est-ce que tu sais quelque chose? Fondé par Tristan le guerrier. Donc non, Tristan c'était pas notre père, c'était sûrement une figure mythique d'une autre ère. Ah, c'est là que Sir Hendrick a vu le jour, tiens. Sir Hendrick, je vous rappelle que c'est le mec qui nous a mis en prison. Le chevalier avec son armure noire et les cheveux violets. Ça n'a pas empêché les monstres de tout raser.
Ok. Je vais peut-être pas vous faire explorer toute la région. Attendez, là, je regarde ma capture. J'ai encore... Quoique, pendant que je vous dis ce que j'ai à vous dire... on en est à une demi-heure à peu près. Bon, ça va. Donc, mais je pense que je vous ai... Alors, oui, lui, c'est pas un ennemi. C'est le petit bonhomme qui nous récompense pour les cibles. On va aller faire un tour dans le puits. Oui, bah, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur les dernières parties. Hein, y a quelques trucs aussi, je me suis rendu compte à la relecture que j'avais pas du tout compris, que ce soit au niveau du scénario ou d'autres choses, mais c'est parce que, je vous ai dit, les combats m'ont un petit peu vanné, et puis des fois on va trop vite, et on lit pas, je lis pas forcément tout, je lis en diagonale, je vous dis, donc par exemple j'étais tout content de la manière dont j'ai réussi à m'infiltrer à Gondolia en esquivant tous les gardes, assez facilement, assez rapidement d'ailleurs. Je m'appelle pas Solid Snake pour rien. Mais y'a rien ici, c'est de la merde. Y'avait juste un truc en or. Vous vous foutez de moi ou quoi? Y'a pas un petit passage secret? Y'a même un cul-de-sac avec rien du tout quoi, mort de rire. Je vérifie hein. C'est bizarre qu'il y a un point vert aussi. Il n'y avait pas de point vert dans les précédents. Là. Pourquoi il y a un point vert pour nous indiquer la sortie? Enfin, je me rappelle plus qu'il y avait un point vert, en tout cas. Il y en avait peut-être un. Hein. Oui, en fait, je me suis rendu compte en regardant au montage que Sylvando, en fait, nous avait expliqué qu'il fallait passer par l'auberge et par les toits pour échapper plus facilement aux gardes. Je croyais que j'avais trouvé ça tout seul, mais en fait, il nous l'explique. Donc, si vous êtes attentif, voilà, vous saviez comment vous y prendre. Ouais, bon alors personne... En gros, personne n'a vu mon marchand, quoi. Hein, bon, on va aller faire un tour au niveau du moulin, là. Je suis curieux de voir si je peux rentrer dedans. Putain, excusez-moi, je parle beaucoup du nez. Là, il y a un griffon funeste, il y en a deux même, lol. Ah, on peut pas rentrer dedans, c'est dommage. On va aller faire un tour dans les champs. Je vais me moucher un coup, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Tiens, des espèces, je les avais déjà vues ces lions-là dans la région des lieux d'or. Et là-bas, je vois qu'il y a des trucs à fourrer. Il y en a un là aussi. On les voit pas, ils sont cachés dans les blés. On va aller l'affronter, mais d'abord je voudrais juste aller récupérer le minerai. Putain, il y en a plein, et il y a une autre cible. Ça fait déjà 3 cibles, je crois, que je nique ici. Hein. 3 cibles ou 2? Je ne sais plus. Ouais, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oh putain, je sais même plus. Oui, j'avais pas compris non plus que le Placido, là, le petit gamin qui était muet, en fait, c'était le fils du Doge, et c'est pour ça que le Doge est venu nous aider à la fin avec... Il y a plein de bubules, là. Attendez, on va aller voir les bubules. Bon, des ennemis avec un skin différent, qui sont sûrement un peu plus forts que ceux qu'on a déjà vus dans les régions précédentes. C'est un peu ça, en fait, j'ai remarqué. Vous avez différents ennemis. Voilà, ça c'est l'archimère, donc elle doit être plus puissante que la chimère classique. Et la mandibulbe aussi, c'est des ennemis avec des skins semblables à ceux qu'on a déjà vus, mais avec une couleur différente et qui sont un peu plus puissants, en fait. Alors, somnifère... Archimère, on va essayer de l'endormir. Oh putain, je l'ai raté. Ok, d'accord. Super. Décélérer d'un seul ennemi. On va réduire l'agilité de tous les ennemis. Ah, ces sorts-là, faut que je les utilise plus souvent maintenant, vu que les ennemis sont plus forts. Ismaël... Le bang. Ça, c'est l'une des attaques magiques que j'utilise le plus parce que ça touche tout le monde en même temps.
Alors, c'est peut-être pas la plus puissante après. Accéléro, et on va accélérer encore une fois. Véronica ou Ismaël? Ismaël. Oh ouf, heureusement qu'elle m'a raté. Un sort d'illusion aurait pu bloquer Ismaël ou réduire son efficacité. En fait, il y a plein de choses qui sont pas expliquées, c'est ça le problème. En fait, tout ce qui est les compétences, tout ça, les sorts et tout ça, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées, c'est à vous de le découvrir. J'en ai discuté avec toi, Chuck-chan, dans les commentaires de mon épisode 9, je crois. Et c'est un problème. C'est un problème parce que si vous savez pas à quoi ça sert, que vous n'êtes pas accoutumé de ce genre de choses dans les RPG, bah, surtout d'un RPG à l'autre, comme tu le dis, Chuck, ça n'a pas forcément le même, comment dire. Ça n'a pas forcément la même incidence, voilà. C'est un vrai souci, parce que ces choses-là sont très importantes à prendre en compte, surtout maintenant que les combats deviennent plus durs. L'agilité, le fait de savoir que les ennemis attaquent plus souvent ou moins souvent et que ça peut fonctionner aussi pour vous, c'est des trucs tout ça qu'il faut vraiment prendre en compte quand les combats deviennent plus techniques. Si vous le savez pas, ça peut vous foutre dans une grave merde. Et ça, c'est pour moi, c'est un défaut que je reproche un petit peu au jeu. C'est des choses qui devraient au moins vous être expliquées au début. Mais bon, classicisme de la licence est rendu à l'épisode 11 exige que ce genre de choses n'est pas expliqué. Voilà. Les habitués le savent et logiquement, quand vous n'avez joué à aucun Dragon Quest, vous n'êtes pas censé faire le 11. Mais écoutez, moi j'ai eu envie. Bref, je blatte et je joue pas pendant ce temps-là. Ah merde, il en reste une. Ah bah heureusement, je me demande s'il peut endormir tous nos personnages d'un coup, quoi. Ce serait comique. Allez, on l'a fini. Another one bites the dust. Et on récupère des coffres plus souvent aussi, je trouve. Voilà, bon, on va pas y retourner, hein, c'est pas très intéressant. Véronica a pris un petit peu, donc je la soignerai bien hors combat, là. Voilà. Je fais mon petit tour. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc pour en revenir au combat, en fait, c'est... Comment dire? Comme ils ont augmenté de difficulté, je me suis beaucoup posé la question. Est-ce que j'ai morflé contre les boss, là? Je suis allé voir la... Comment dire? Les combats de Hooper sur son épopée à lui, sur son site Hooper.fr. Ouh là là. Alors là, attention. Deux lions et on a Bill du Big Deal et son frère. Son frère jumeau. Ah non, pas Véronica, soyez cool. Putain, arrêtez de l'attaquer elle à chaque fois. C'est elle qui a le moins de PM, c'est abusé ça. Je me demande s'il le détecte ça, les... Comment dire, il y a du jeu. Alors... On va mettre un petit casse-caille sous l'un des Smilodons. Et lui sur ses vidéos, il avait peur, il avait beaucoup moins de mal. Et j'ai l'impression que faudrait que je me repasse ses combats pour vérifier. Mais je trouve qu'il a, pas mal bourriné, quoi. Alors que moi, j'étais obligé de me soigner et de la jouer beaucoup plus technique parce que je prenais vraiment très cher. Là, c'est à qui? Ismaël. Je ferais peut-être mieux de privilégier mon espadon, en fait, parce que il fait beaucoup plus de dégâts, ça se trouve, que mes armes. Alors, attendez. Sort. La torpeur, c'est quoi déjà? On dort un seul ennemi. On va attaquer. Ouais, 38, c'est pas mal. Hein. Voilà. Bon, alors, je sais pas s'ils ont de la magie. Pour l'instant, ils ont pas l'air d'en avoir. Véronica. Sort. On va réduire leur agilité. Ah putain, ça a raté sur deux. Les deux du centre, je crois.
Tornade. Esmilo donc. Et ouais, j'ai trouvé que Hooper, lui, il y arrivait beaucoup mieux. Alors, pourtant, j'ai pas l'impression qu'il jouait forcément beaucoup mieux que moi, qu'il utilisait beaucoup mieux ses sorts ou quoi. Il avait une armure que je n'avais pas. C'est l'armure qu'on peut débloquer en faisant une course, en fait. En faisant une course à... vous pouvez faire des courses à Gallopolis, en fait, une fois que... Même après avoir fait la course du scénario à Gallopolis, vous pouvez aller faire des courses dans l'arène, dans le cirque de la ville. Et vous avez des récompenses à obtenir, et vous pouvez obtenir l'armure aux effigies des armoiries royales qu'on porte pendant la course pour que nous demande de faire le prince Faris. Et lui, il avait cette armure-là, mais je suis allé l'obtenir en off, et je me suis rendu compte que cette armure-là, au point où j'en étais moi, elle était moins puissante que ce que j'avais sur moi, en fait. Donc, ça vient pas de ça. Donc, peut-être que j'ai mal utilisé mes sorts, ou que je l'ai fait au mauvais moment. Mais je pense aussi quand même, sans vouloir être mauvais joueur, que j'ai quand même eu vraiment... J'ai pas eu de chance, quoi. J'ai pas eu de chance au niveau de mes attaques hypertoniques. Je trouve que mes attaques hypertoniques arrivent souvent au mauvais moment. Et ça me gave un petit peu. Ou alors j'ai pas les attaques hypertoniques que je veux. Les combos d'équipe que je veux, pardon, surtout. C'est ça que je veux dire. Et donc j'ai essayé quand même un petit peu de farmer, d'améliorer mes caractéristiques, de changer mes armes, hors cam pendant quelques heures. Parce que j'ai vu qu'aussi, il y a pas mal de combats que je zappe maintenant. Il y a pas mal d'ennemis que je décide de snober. Je me suis dit peut-être qu'en fait je combats pas assez, quoi. Ça vient peut-être de ça. Alors là, va falloir qu'on se remette du son. Hein. J'ai pris du temps pour faire ça. Mais j'ai l'impression que les combats sont quand même devenus nettement plus durs. Donc ça ne vient pas que de ça. J'ai l'impression que le jeu est plus dur, plus technique. Pourtant, tout le monde a l'air de dire que le jeu est... quand on choisit pas de paramètres spécifiques de quête draconienne, il paraît que le jeu est plutôt facile, voire très très facile. Donc je sais pas quoi dire. Je sais pas. Bien, j'ai profité d'une petite coupure pour explorer à peu près toute la zone jusque du côté du ponton qui traverse la rivière là, un petit peu au nord aussi, ce qui m'a permis d'obtenir toutes les cibles, enfin il me semble, et de farmer un petit peu. Donc on va aller voir ce que nous propose, comme ça vous allez pouvoir voir ce que nous propose le petit gars comme récompense. Ah oui, la dernière fois, il m'avait donné des graines ou du minerai, je crois. Un truc comme ça. 4 graines d'agilité. Ouais, c'était ça. Il m'avait donné des graines. Donc, en fait, c'est super important parce que le mec, si vous niquez toutes ses cibles, il vous donne des graines qui augmentent vos stats, vos compétences. Donc, c'est en fait... Au début, je me disais, ouais, détruire les cibles dans toutes les régions, ça va être pourri, ça va servir à que dalle, tout ça pour obtenir un petit peu d'argent. Non, non, c'est super important, en fait. Donc, je crois qu'il va falloir que je retourne... Je vous ferai ça hors capture, hein, mais que je retourne à Gallopolis pour faire toutes les cibles du désert. Hein, parce que... Et dans la région de Yoto aussi. Merde, elles sont... Ça doit être là. Ça doit être tout à la fin. Parce que ça peut être vachement utile, en fait. Graines d'agilité. Alors, utiliser. Qui c'est qu'en a le moins? Très largement, c'est Serena. Après, c'est pas forcément le personnage qui a besoin d'intervenir le plus souvent. Donc après, c'est Véronica. Voilà, et puis vous voyez, une graine qui m'augmente de 2 points. Donc, ils se foutent pas de notre gueule. Hein. Sylvando, bah pour l'instant, Sylvando, je joue pas avec. Donc, je vais pas lui donner de graine. Je vais en redonner à Véronica.
Voilà, apparemment elles sont toutes à toutes à 2 points. Je vais la redonner à Véronica. Voilà. Et la dernière, je vais la donner à Ismaël. Voilà, donc en fait, c'est hyper important de détruire ces cibles. C'est plutôt une bonne idée, ça. Vous voyez, un petit objectif secondaire qui est pas trop chiant. En plus, les cibles, au début, je me disais, ah, ça va être galère de chercher les cibles. Je vous disais ça dans l'épisode 10, je crois, quand je vous expliquais le principe, mais non. Ah, me faire bouffer le cul. Non, c'est bon. Il lâche vite l'affaire, les mobs, heureusement. Mais non, en fait, faut chercher un petit peu, oui, mais c'est pas compliqué à trouver. Alors, on va se rendre dans les ruines qui sont tout au nord pour aller tuer les gladiateurs fantômes du prêtre, là. Non, lâche-moi, toi. On va... voilà, ça doit être ça, je pense. Les fantômes des... comment dire... Des ruines de Fort Drasil, du royaume de Zwardust, voilà. Qui hantent encore les ruines de l'ancienne cité. Merde, c'est du poison qu'il y a là-dedans? What? Oula, attendez, on a découvert, il y a un truc ici, là. Ah oui, c'est du poison. Il y a des trucs à ramasser dedans. C'est pas ma faute, faut que j'y aille. J'ai l'impression qu'il y a... il va y avoir un donjon ici, alors on va se faire ça. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup d'avancées narratives dans cet épisode. Hein. Je suis désolé, je fais en fonction de ce que je trouve. Faut buter tous les squelettes. Attendez. On va regarder l'intitulé, enfin les consignes exactes de la quête. Là. Oui, d'ailleurs, puisque j'y suis, j'ai réussi à terminer la fameuse quête avec, où il fallait remettre la lettre à la fameuse Akia. J'ai fait ça hors cam. En fait, la Akia, c'était la bonne du Doge, mais elle balaye à l'extérieur de chez lui, elle est pas dans sa maison, en fait. Et on a l'impression que c'est un PNJ lambda, c'est un peu débile. Utiliser le combo d'équipe appelé... Ah, oh putain, faut utiliser un combo d'équipe, mais non, c'est naze. L'oraison de la guérison pour vaincre les gladiateurs. Si Serena et Ismaël sont tous les deux hypertoniques. Ah bah écoutez, non. Alors non, c'est pas possible, c'est complètement hasardeux, ce genre d'objectif, c'est complètement débile, il faut que Serena et Ismaël soient tous les deux hypertoniques en même temps. Donc on va se faire quelques squelettes pour voir ce qu'il vaut, on va aller dans le donjon, mais on va pas chercher à remplir la quête si c'est chiant. Voilà, ce sera si j'y arrive. Voilà. Alors. D'accord, c'est à moi. Alors moi je vais commencer par... Vu qu'ils ont des épées, on va utiliser la double garde. On va réduire, si on peut... Voilà, leurs attaques. Et un petit cascaillasse sur le A. D'accord, ça a l'air d'aller. Sort la tornade. Y en a déjà un qui est faible, ça devrait aller. Voilà, bon en fait ils valent rien. Ils valent rien, ça va. Merde, c'était pas assez puissant. Je suis toujours un peu emmerdé quand je termine avec Serena parce qu'à part l'attaque de la tornade, en fait, elle a aucune autre attaque. Je vois pas pourquoi je réfléchis, mais... Non, ça vaut pas le coup. T'es pas intéressant. What? Qu'est-ce que c'est que ça? What? Qu'est-ce que c'est que ces bidules? Putain, la surprise!
Alors ça, vous voyez, ça je l'avais pas vu venir, ça je trouve ça énorme, quoi. Un mob qui ressemble en fait à des débris, et tout à coup le truc se lève. Mais il s'est levé dans mon dos, c'est dommage, je l'ai même pas vu se lever. Hein. Ah oui, on peut leur faire le coup de la terre brûlée, ouais. Bon, ah, on va autant le faire. Torpeur, on dort un seul ennemi, ouais, mais... On va essayer... Non, je crois que ça marche que contre les petits ennemis, ça marchera pas contre les gros. Ah putain, il a l'air résistant. Attention. On va réduire... On va réduire la défense du golem, là. Et on va augmenter Véronica en agilité. Bon, ça fait mal. J'ai bien fait d'utiliser ça. On va voir si ça marche le sommier. Oh, le golem est déjà presque mort. Ah si, on peut endormir les squelettes, ça marche, ok. Sort. À quoi ils sont sensibles, quoi, c'est ça la question. Voilà, c'est parfait, très bien. Bon, Eric a un peu morflé, mais c'était bien intuitané tout ça. Hop là, oh ouais, yeah. on monte aussi beaucoup plus souvent en level, j'ai remarqué, puisqu'on récolte beaucoup plus. Bah écoutez, je me plaignais un... Merde. Non. Oh là là, putain. Quelle galère ce zoom. Quelle horreur. Au secours, quoi. Il y a un petit personnage ici, là. Il y a un trésor quelque part dans le coin. Je regarde, on va descendre dans le donjon, hein, je regarde juste s'il n'y a pas... Ah oui, il y a un trésor là-bas. Un œil violet. Encore un autre œil à ajouter à ma collection. Là, il y a un chemin, mais je sais pas du tout où il mène. On va aller d'abord dans le donjon. On pourrait peut-être profiter de l'accalmie là pour remettre des PV à qui en aurait besoin là. Eric, il a récupéré ses PV, je ne sais trop par quel enchantement. Par contre, Véronica est très faible. Voilà, c'est bon. Alors, quelle est cette diablerie? Une espèce de rune. C'est un piège? J'espère pas. Une force mystérieuse semble empêcher l'ouverture de cette porte. Ok, bon alors, on peut pas y aller. Tant pour moi. On va sûrement devoir y revenir plus tard. Du coup, on va aller voir au bout du chemin. Merde. Puis s'il y a que dalle, bah écoutez, on continuera vers la région de Fordrazil. Hein, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Oh la vache. Comment que ça valait le coup de venir jusqu'ici, quoi. Tout ça, il y a un petit coffre. Il y a juste un petit coffre contre un rocher, quoi. Mais il y a 1500 PO dedans, quoi. Vous vous rendez compte. C'est tellement abusé. Par contre, on peut pas aller plus loin. Hein. Non, c'est bouché. Ça mène peut-être à une autre région, mais ça m'étonnerait, vu qu'il n'y a pas de barre verte. C'est bizarre que le chemin semble continuer, mais qu'on ne puisse pas y accéder.
Bien, alors. Bon, c'est parfait. On a gagné un max de fric. J'ai bien farmé. J'ai même réussi, en revenant du chemin, à faire mon combo d'équipe que je voulais là pour remplir la quête du padré. Je peux pas vous le montrer parce que je l'ai pas capturé, mais ça c'est fait. Avec deux personnages, obtenir le bon combo d'équipe c'est facile, mais obtenir un combo d'équipe à 3, c'est nettement plus hasardeux. Bref, donc on va prendre le canasson et on va quitter cette région pour aller vers Fort Drazil, parce que ça fait un petit moment qu'on est là et bon, ça y est, il commence à pleuvoir. On a discuté de plein de choses, on a vu quelques petits trucs sympas, mais au niveau du scénar, on n'a pas du tout progressé. Putain, il y a un truc que j'ai oublié là-bas. Ça a respawn ou quoi? Ah mais oui, mais tout a respawn. Tout a respawn. Bah non. Je vais pas me réarrêter pour... Je crois que quand on effectue une sauvegarde ou quand on passe le temps, ouais, il y a tout qui respawn en fait. Il y a tout qui respawn. Tous les objets scintillants respawn. Donc je vais pas perdre mon temps à retout farmer, même si ça pourrait être utile, hein.